Damn, Zeus, you too cold, bro. What you doing? On a fait 12 heures, mais vraiment 12 heures de voiture. On a eu les bouchons, je sais pas, on a cru qu'on allait vraiment arriver à 19h. On est parti à 4h ce matin, faut savoir. Là, quand on est sorti de la voiture, se dégourdir les jambes était une priorité. On va aller chercher l'appart, poser nos affaires, aller chercher les skis, etc. Regardez, le soleil commence à se coucher, comment c'est trop beau. Les gars, je vous ai même pas montré, mais on a vu sur le Mont Blanc. Regardez ce zoom incroyable et cette qualité de fou. Bon, on a enfin la chambre. C'est trop bien, franchement. Voilà. Je vais pas vous faire un room tour parce que c'est pas plus grand que ça. Mais comment on ouvre ça? C'était ouvert. J'ai l'impression d'être blonde là tout d'un coup. Ah, ok, c'est bon. Regardez ce qu'on a. On a un extérieur qui donne sur les pistes. C'est pas incroyable! Alors, si vous pensez que je vais pas taper mes meilleures photos juste ici, c'est que vous connaissez mal. À votre avis, est-ce que je prends plus? Je suis chaud pour ça. Ça? Caliente. Celle-ci? Ou alors celle-ci, très moniteur de ski. Ça fait très pêcheur d'eau douce. Je comprends pas où est la protection. Là, tu es actuellement sur un Zodiac en train de faire ouf. Sinon, il y a celle-ci. Ça te va bien. Style très aviateur. C'est ça qui est terrible. Là, on est bien. Ah, là, on est pas mal. Là, on a trouvé la paire qu'il te faut. Ma chérie, ça te va super bien. Sous blind. Il y a des promotions. Ah bah super, ça, parfait. Super, top. Non, moi je te vois avec ça. Tu vois? Comme ça je te vois de loin quand tu skis. Parce que ça ne te suffit pas déjà assez. Avec toi, il n'y a jamais de assez. Il y a toujours quelque chose qui va par-dessus. Je sais pas comment le prendre. J'ai pas compris. Regardez le flow de l'artiste. T'es aimable le flow. On dirait pas, j'ai un scooter et je vais chercher mon grec là. Bon, c'est bon, on a fini d'aller chercher les skis et du coup là on fait quelques courses pour demain matin parce que là il y a tout qui ferme dans genre 5 minutes. C'est le run total. Franchement, c'est la course. Oh, les bretons, voilà. Le premier truc qu'on fait, chercher du beurre de micelle. Cette tête de fatigué. Vraiment. Bon appétit. J'ai trop faim. Ah ouais, vraiment. Lola. Un bordel. Ça ressemble quand même vachement à ta chambre, t'es pas dépaysée. Ah bah super. Une balle perdue direct. Fatigué comme ça. Non, on a repris là. Mais on est en train de. T'as pas de voix. Ça sert à rien de faire jour que t'es réveillé. T'as pas de voix. Ça va être moi. J'ai les ongles longs, ça m'est insupportable. Donc là, on est tous en train de se préparer pour aller skier. Et je vous montrer ma tenue. Du coup, voici ma tenue. J'ai un bas décathlon, ça je l'ai eu chez Sarenza. Je voyais une petite capuche avec des petits fofos. Une petite ceinture en full black. Voilà. Moi j'adore en tout cas. Et encore, j'ai pas mis la cagoule encore. Famille all in black. Une famille, ouais. On est tous voilà. Habillés tout en noir. Ah, c'est fou. Comme ça. J'avais pas capté. On est tous habillés tout en noir, c'est. Mon dieu, si vous savez, comme la préparation, c'est épuisant. Ouh, là, on a mis les chaussures de ski. J'ai chaud.
Faut que j'aille sur les pistes là parce que j'ai chaud de ouf de se préparer, de mettre toutes les couches alors qu'il fait chaud à l'intérieur. C'est... Ça se voit à mon teint très agricole. Mais bon. Ouh, il fait trop beau aujourd'hui. And we can ride the boogie, share that beat of love. I wanna ride the boogie. Là, on vient de descendre une petite bleue, enfin une grande bleue, qui était finalement beaucoup trop penchée pour une bleue et beaucoup trop, comment on dit, gelée pour une bleue. Du coup, on a pris un autre télésiège qui nous amène encore plus loin dans la montagne. Mais on espère avoir des bleus qui ressemblent vraiment à des bleus et pas à des rouges. Parce que c'est le premier jour. Faut doser. Il y a déjà le petit qui m'est rentré dedans. Raconte-nous ce qui s'est passé. J'étais à l'arrêt, il s'est arrêté, il a reculé, mais avec ses skis qui font 1m10, enfin avec 1m90, ouais. Bah, il s'est pris dans mes skis, et du coup bah, je suis tombée, mais sur le ralentissé, donc je me suis pris le... Il s'est enroulé dans la bannière. J'ai failli tomber. Mais regardez-le. Il a essayé de faire du hors-piste. Il s'est gamélé. Il a perdu un ski. Il va devoir remonter son ski, il est tout là-bas. Là, monte par là, c'est plus dur. Il s'est bien gamélé, hein. Il a fait un roulé-boulé, frère. Ça va? Ça va. On a trouvé un bar pour se poser et manger. On va se régaler. On va boire une bonne bière. Bien mérité. Wesh, longtemps. Hein. Je crois que j'ai mis un peu trop de crème solaire. Là, ça fait un peu beaucoup. On n'est pas sous les tropiques, nous. La crème solaire, elle est congelée. Genre, elle veut pas s'étaler. Parce que là, en plein soleil, sinon je vais me taper un coup de soleil de la mort. J'ai pris un coup de soleil. Je me suis mis au soleil, genre, juste pour le midi. En gros, c'est ça. Parce que j'ai une cagoule, sinon. Genre là, ça se voit déjà. Je vais pas me mettre à la lumière. Parce que je ne veux pas que vous voyez ça. J'ai chaud là en plus, là ça brûle. On est vraiment blanc comme neige. Il s'agirait de prendre des couleurs. Pour l'instant on a fait des pistes plutôt tranquilles. Tout ce qui est bleu, tout ce qui est piste bleue. J'adore cette musique. Bref, on a fait tout ce qui est piste bleue. Et c'était cool, c'était pour se mettre un peu en jambes et tout. Sympathique. Surtout pour Tom. Tom il a adoré. Regardez la vue qu'on a, c'est pas incroyable. Et évidemment Tom joue comme d'habitude. Si Tom ne joue pas, il meurt. Tu gagnes au moins. C'est la merde là. Regardez comment elle descend.
avec les chaussures. Maman, elle t'a taillé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit on pourrait avoir une assiette en plus parce que ma fille elle mange que de la salade. C'est reparti, on repart sur les pistes. Juste avant de mettre mon casque, regardez ma tête de lémurien. Oh, et cette cagoule me tue de rire. Genre, là on dirait ouais je suis stylée, non, non, je vais faire de la drill et tout. Mon profil. La fourrure de les renards. C'est plus stylé comme ça quand même. Parce que sans tout ça, là, la cagoule, je ressemble à rien du tout. Là, on a un peu de flow là. Tom, il sent quasiment plus ses mains tellement il a froid, donc je pense que ses gants ils sont pas assez bien. Et genre il nous disait non mais là je les sens plus, genre je sens plus mes doigts et tout. Ça commençait à être tendu, donc là ils sont allés acheter des gants. Et après on va continuer sur les pistes. On va aller beaucoup plus loin là. Franchement le domaine il est vraiment hyper grand. C'est bon, ça va mieux. Il reprend vie. C'est des gants avec des gants dedans, des sous-gants dedans, incorporés. Ah ouais, double dose. Ok, je vais câbler. Il y a un truc froid au bout. Pourquoi? Au bout de mon pouce, il y a un truc froid. Bah, c'est ton pouce. C'est-à-dire? J'ai l'impression qu'il y a un glaçon au fond, quoi. Non, je pense pas. Ça fond. Ah non. Non, c'est pas mon pouce. Les gens qui mettent de l'eau dans les trucs, c'est pas possible. Des personnes. J'ai plus de fin de la journée. Putain, j'ai vraiment les traces. On arrête de skier, on skiera demain. Je suis HS et les courbatures qui m'attendent, ça va être ça. La funiplane, on s'échauffe dans la bonne humeur avant une bonne journée de ski. Ah non mais je te jure. Et puis t'as la visite guidée de la maison du patrimoine pratiquement tous les jours. Là, viens la rencontre de la mascotte de la plaine. L'info pour les gens qui skient pas. C'est quoi cette tête là? Tu t'es étouffée là ou ça se passe? Tom, il a la tête à l'envers. Tom, il a la tête. Heureusement qu'on n'était pas dans le noir, j'aurais eu chaud. T'as bien dormi? On a eu froid. T'as froid? On vient de remettre le chauffage. Tu vas pouvoir te mettre en full chaud pour prendre le petit déj. Ça voulait rien dire. Mais regardez ça. On dirait pas quelqu'un? Franchement, heureusement qu'il y a de la lumière, hein, parce que là... On dirait une daronne qui lit un journal. L'aiguille rouge. Aujourd'hui, changement de tenue. Je me suis mis en argenté, histoire qu'on ne loupe pas sur les pistes. Hier, on était tous habillés genre en noir et tout. On était comme ça, genre, qui est où sur les pistes, on se voyait pas. Aujourd'hui, on ne risque pas de me louper. Petit doudou. Et j'ai pour le goût. Regardez comme la vue est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau, j'adore. Alors moi, je suis très, j'aime trop les pistes un peu pépouses là, comme ça.
Voilà, là on se met bien là. Là on est tranquille. On fait une petite descente tranquille. C'est ça qu'on aime. Alors là, les gars, on commence à être vraiment très haut, très très haut. Vous allez peut-être pas vous en rendre compte, mais là, on est vraiment, mais genre un level up. Pour Monsieur Tom, une deuxième chute. Waouh, trop swag. Un peu les rouges, mais elle a pas envie. En fait, je m'amuse tellement à juste, genre, tu vois, skieur du dimanche, je fais 2-3 petites pistes bleues en mode détente, détendue, que genre les rouges où je vais devoir être là, me dire ah, attention là et tout là, ça me saoule. Ouais, mais c'est toujours en faisant des genre trucs un peu plus compliqués que tu progresses et que après, du coup, sur du bleu, t'es comme. Enfin, c'est une promenade de santé quoi. Ouais, ben moi j'aime bien ma petite promenade de santé. Genre, regardez le décor. Faut profiter. J'aime bien, tu dis regardez le décor, on voit que nos grosses têtes avec les casques. Là, ils voient, non? Ouais, ouais. On dirait une daronne qui sait pas utiliser un téléphone. Comment on fait pour retourner la caméra? Très bon parce que s'il hurle comme ça pour une petite bosse, c'est qu'il a dû se gamelle un nombre de fois avant. Attention, ça saute. Yeah. Ouais. Et là, ah non, on a plus. Les deux commères. Non mais le téléski là, il s'est arrêté 2 secondes. Ouais, mais c'est là. Con parce qu'on voit pas assez bien. Ah, regardez tout le monde. Mais regarde le pauvre Tio là. Il fait même pas du chasse-neige. Là, il a dit je descends. Oh, Miskine, attendez, il faut que je vous le montre. Il a dit vraiment, il y en a marre. Il veut pas enlever ses skis parce qu'il a peur de tomber en les enlevant, je parie. Oh, pichou. Mais sinon, je pense qu'il finira sur le tes parents. Vous savez quoi, la station, elle est immense. Donc en fait, on découvre à chaque fois de nouvelles pistes. C'est trop cool. Aujourd'hui, dos au soleil, je ne referai pas la même erreur. Ça tape. Là, ça tape fort. On a beaucoup moins froid qu'hier. Je crois qu'on a gagné 2 degrés depuis hier. Mais le changement est radical. Tom, j'ai des mouches. Non, on a mangé et tout.
j'ai envie de faire une sieste. Ça va te réveiller les pistes là. Je ne veux plus me relever. Il y a plus de noir pour descendre. Arrêtez de me dire fléchis les genoux. Le planter du ballon. Oh putain. Le planter. Bah alors, Tom ? Moi, je ne dirai rien. Je sais très bien ce qui s'est passé. J'ai rippé. T'as rippé ? J'ai rippé. Mais t'es ski à la parallèle ? Bah si, c'est... Qu'est-ce qu'on tente ? Est-ce qu'on refait... qu'on remonte là ? Celle qu'on a fait hier soir ? Est-ce qu'on refait les... Attends, Tom ! Alors, encore en début de journée, il n'y a pas grand monde, mais alors l'après-midi, il y a full. Juste pour vous montrer, là, on est en train de rentrer vers la maison. On est dans un des immeubles, là, de cette tour-là. Je vais me prendre un flocon, là. Waouh, en plein soleil, j'adore. On va aller se poser et prendre une bière, hein. Non mais sur une piste sans réelle vitesse. Ouais. Déjà il va vite, ça c'est déjà bien suffisant. Mais j'ai pas dit qu'il passe ça quand il est à 180 km. C'est pour s'amuser, c'est pas pour montrer qu'on sait skier. Si vous pouviez tout descendre en chasse-neige, ça m'irait bien. Bah, non parce que en gros en chasse-neige tu te casses plus la gueule. Tom il veut faire des gorges en sourd. Maman en sueur. Mais quitte à se gamer là un peu. Ouais, non, mais t'inquiète, je vais faire un saut à 180 puis après. Mais j'ai pas dit que j'allais prendre des rampes de 3 mètres. Je peux pas me blesser sur une bosse de 30 centimètres. C'est la prochaine étape, à vous, c'est la prochaine étape. Bien sûr. Fais pas, s'il te plaît. Ok. Quand tu partiras avec tes potes et que tu ne veux pas te faire des deuxièmes jours, il n'y a pas de soucis. Il faut avoir une bonne condition physique. Mais déjà, là, quand on va se prendre des balles perdues, putain. Mais non. Tu ressembles à un phasme. Comment tu veux faire des sauts? Non, j'ai jamais dit ça. Tu vas très vite, quand même. Mais c'est normal. Normal. C'est pas qu'elle va très vite. Mais on a envie d'avoir. C'est que vous allez lentement, vous vous rendez pas compte. Non, maman, elle va pas très lentement. Maman, elle a une vitesse de croisière. Hello tout le monde. Aujourd'hui, le réveil un peu compliqué. Mais là, on va partir sur les pistes. Et regardez aujourd'hui, tenue. Voilà, verte, rose. Très combinaison à l'ancienne. J'adore. Tom ? Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel a chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, you can't be replaced. So go now. Rouge qui s'appelle Kamikaze, c'est super rassurant. Ouais, c'est vrai que la première rouge que je choisis c'est Kamikaze, c'est pas forcément. Et voilà quoi, je tombe dans le vide, c'est la même chose.
On va y aller très doucement. Hein. Les gars, j'ai survécu à la rouge et en plus de ça, j'ai pris du plaisir. Donc, c'est parti pour une farandole de rouge. Panini fromage. Elle a bu une bière. Voilà, faut repartir. Allez Lola, tu le peux. J'ai pas bu de bière. Pas aujourd'hui. Donc je sais pas si elle vous l'a dit hein, mais Lola est toute rouge, donc go Biafine pour elle. Totalement allongée. Je te vois pas. Si c'est bon. Voilà, et donc elles sont par là. Bon, au final elles mettent tellement de temps qu'on a eu le temps de faire une petite bataille, hein Tom? Une bataille rudement menée. Et que j'ai préparé ces deux petites merveilles pour elles, pour nous avoir fait attendre. On vous dira plus tard si ça a fonctionné. J'ai pas beaucoup d'espoir quand même. C'est dans le mauvais sens, hein. Tu vas finir renier toi. Non mais sinon je t'en passe une. Comme ça chacun on en a une. Il a peur des représailles surtout lui. Donc, bon. Les deux te font peur. Non, je pense qu'il a contrarié. T'as pas envie de contrarier maman? Si je contrarie maman et qu'on met Lola sur le dos, tu passes pas une bonne journée. Hein. Bon, à voir. Elles sont toujours pas sorties là. Ça doit faire bien un quart d'heure, 20 minutes qu'on les attend. A few moments later. M'a lancé un caillou de la taille de ma tête dans mon dos. Sans pression. Non, non, mais et j'ai ensuite, tenté. Et je lui dis, c'est de la roche que tu m'as mis dans le dos. Ça me fait mal. Elle me fait, oh, ça va. Non, ça va pas, ça fait mal. Tu dis, pardon, excuse-moi. Je m'excuse de t'avoir fait mal. Je sais pas, enfin, un petit mot doux, une petite douceur, une petite pommade après ce que tu m'as mis dans le dos. Je vais avoir un bleu, frère. Mais bah, la boule, elle était comme as. J'avais dit que j'avais pas beaucoup d'espoir. Bon, voilà. Elle a toujours pas dit pardon. Hein. En attendant, c'est elle qui pue les yep. Non, mais depuis quand dans les chaussures de ski tu sens bon? Bah, la tête que moi, mes pieds, ils sentent pas. Je ne sens aucune odeur. Alors qu'elle, ses chaussettes. Bah, là, ils font des. Avec les pelles. Oh, la strike. Tiens, à la curling humain. Tom. Là, on est en train un peu de se préparer. Se maquiller, etc. Peut-être la musique est un peu forte. Parce qu'on va au restaurant ce soir. Ça va être à base de fromage. Beaucoup de fromage. À base de raclette, fondue. J'ai hâte. Ça change de me voir comme ça. Je ne me suis pas maquillée depuis le début. Je suis arrivée au ski. Vous m'avez vu rouge, etc. Là, on est make-upé. On est pas mal. Parce que tu peux pas t'essayer. Voilà, maman a perdu. Elle a fait tomber son morceau de pain. En plus, elle a voulu faire pareil, il y avait rien. Elle a rattrapé le morceau avec la meule en bois. J'ai mis deux, j'aurais jamais dû mettre deux morceaux. Bah oui, et bah deux, tu as perdu. Voilà. Donc on s'était mis d'accord pour un gage avant de commencer la fondue. Le gage de maman demain sera donc de faire du chasse-neige dans une piste, vraiment à deux à l'heure, en mode débutant, très débutant, en mode piou-piou, en mode vraiment piou-piou, genre tu viens d'atterrir sur des skis. On a fini, oh
là, mais on peut plus parler ici sans qu'il y en ait qui fassent des bruits bizarres, genre. Aïe! Qu'il a fait un bruit. Bon, on a fini de manger. On s'en est mis plein la panse. Est-ce que ça se dit, c'est encore? On a bien mangé, on est bien rempli. On s'est rempli la panse. Là, on va aller dormir. Parce que demain, c'est reparti pour du ski. Ah, mes jambes, elles vont d'ailleurs. Franchement, mes jambes vont d'ailleurs. Mais bon. Donc, bonne nuit. Hello. Bon, aujourd'hui, nouvelle journée. Je suis timide. Nouvelle journée donc, nouvelle tenue. Aujourd'hui on est en white. Voilà, on a un petit ensemble blond argenté. On va essayer de skier dans un nouvel endroit encore. Parce qu'en fait le domaine est tellement grand qu'on peut aller n'importe où, j'adore. Là on est très montagne blanche. Il n'y a pas d'arbres. Mais là je crois qu'on va descendre là où il y a les arbres. Maman, c'est le moment de ton gage. Tu vas descendre ça en chasse-neige. En mode grande débutante. T'es prête? Ouais, mais c'est trop dur. Allez. Je vais aller jusqu'où? En bas. On va vous embêter. Allez, on plante le bateau. Je recommence, j'ai raté. Gagné mon gage. Ouais, tu l'as fait en tout cas. On le valide. Bon, en vrai, ce qui est quand même mieux que quand on lui a donné le gage. Toujours. Voilà, je vais encore être la dernière parce que je filme. Like a sprained ankle, boy, ain't nothing to play with. Started off local, but thanks to all the haters, I know G4 pilots on a first name basis. Ah bah super, Nils! Bravo pour l'appareil photo! Ah, il est foutu, tu t'en fous, hein! Regardez comment il est positionné. Et maman, c'est bon, morte de rire. Mon téléphone il est trempé, genre je joue trop avec le feu. Tu me l'as demandé. Oui. In your city faded off the brown. Nino, she insists she got more class. We know. Swimming in the money, come and find me. Nemo, if I was at the club, you know I balled. Chemo,
dropped the mixtape, that shit sounded like an album. Who'd have thought a countrywide tour would be the outcome? Labels want my name beside an X like Malcolm. Everybody got a deal, I did it without one. Alors là, vous avez participé à une partie de quart de singe. Chacun son tour, on dit une lettre pour constituer un mot. Et si une personne ne peut pas ajouter de lettre car le mot est terminé ou alors qu'elle ne sait pas de quel mot il s'agit, elle prend un quart de singe. La personne qui complète un singe en entier en premier prend un point. À la fin, celui qui a le moins de points remporte la partie. C'est... Oh. B. Quoi tu penses? Accablé. C'est avec deux C? Non. Si. Non. Dis pas avec deux C. Lola, il est très. T'as bien fait. P. Attends, vous voyez pas ça? Non, ça me fait rire de le dire. Est-ce que t'as juste un mot qui commence pas? Bah, bonne chance maman, parce que là quand... Ah ouais, parce que là il y avait un tir de lui. Ça se voit, il connaît le nom d'une bactérie, il commence par P. À quoi tu penses? Tyrannodon. Tyrannodon? Non, M. Ignorant, pourquoi tu sors un A? Bah, un ignare, c'est quelqu'un qui est ignorant. J'étais à ça de mettre un D en plus. Je crois que tu es un ignare. Ignare. Tu dis ce mot encore. Dans les pièces de théâtre, tu vois. Ignare. Ignare. Bah, du coup, je suis une ignare. Oui, bah oui, t'es ignare de là. Voilà, vache. M. Ah. Et change un peu. Vas-y. R. I. N. Vas-y, dis-le, Tom. Ah, non. Attendez. Il y a les neurones, ils se connectent pas. Non. Bah. Demande à quoi elle pense. Tu penses à quoi? Bah, hier. Ah.
Ah, mariné. Si j'avais compté, ça me faisait rire parce que là, c'est. Non, mais parce que moi j'avais mariné dans la tête et ça voulait pas. Non. Mariné, R-E-S. T'étais encore fichu, toi. Ça me faisait rire, mais continuez. P. 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 Un P. R. Oh. Maman, tu peux couiller à l'Islande. M. Oh. Elle est gentille. I. U. Tu penses à quoi là ? Premium. Ah mais non, mais c'est anglais, c'est ça compte français. Pas. B. B. R. I. S. E. Est-ce que... Maman. C'est fini pour moi. Ouais. Cet après-midi, le ciel, il est un peu voilé, ce qui fait que tous les contrastes dans la neige, je ne vois absolument rien. Je me prends toutes les bosses, j'avance dans le noir. On est rentré. On est tous en train de prendre notre douche, etc. Et là, on attend avec impatience. Il est censé avoir un ski show, des monos et tout de ski. Et après, il y a un feu d'artifice. J'adore les feux d'artifice. Ouais. Ah non, mais là, grosse ambiance avec la plagne. On est au camping de la plagne, là. C'est classe, c'est bleu carrelage comme on appelle ça ici chez nous. Les voilà, les snowboarders, en cadre Titi. Et voilà, ils sont en cadre Titi. Et ils sont en cadre Titi. Sur mes cheveux parce que je suis sortie. Il y a des bouts de glace. Je suis. Rigide comme de la pierre. En tout cas, le feu d'artifice était bien. Hein. Voilà. Un léger goût de seum à la fin, quand même. Un léger goût de seum. Non, mais là, il est fort. Oh. Quand j'avais les cheveux longs, elle me faisait des tresses, mais là. Il est en train de jouer. Excusez-moi, je viens de boire des gens à un quiz. Ah, mais New Hanover, c'est. Attends. GeoGuessr, c'est vraiment trop bien. J'adore. On a beau être au ski, je ne raterai pas une émission. Sachez-le. Pas une seule. J'en profite d'être sur le premier circuit qu'on fait de la semaine pour vous dire que ce matin on a fait une petite descente tranquille pour se mettre en jambes et que là on va rejoindre un mono de ski pendant 2 heures pour un cours particulier. Et en gros, on peut lui demander ce qu'on veut, genre si on veut améliorer la technique, si on veut des petits tips, s'il veut nous faire passer par des endroits où on va jamais. J'avoue, j'ai hâte un peu, ça peut être sympa. J'espère que vous passez une bonne journée. Oula. Parti.
that's your fragrance. Hold up, you ain't never gotta say shit, ooh. And I know your taste is a little bit, high maintenance, ooh. Everybody else basic, you live life on an everyday basis. With poetic justice, if I told you that a flower bloomed in a dark womb, would you trust it? I mean, I write poems in these songs, dedicated to you. Le moniteur nous fait passer vraiment par des endroits, donc des hors-pistes. Incroyable. Mais qui sont super jolis. Incroyable. Et voilà quoi, c'est des canyons quoi. Lola en sueur. Mais généralement, moi, ouais, je suis beaucoup hors-piste. Beaucoup, beaucoup hors-piste en dessous. Ouais, c'est vraiment cool. Sympa. De faire des trucs que tu n'oserais pas faire. Ouais, c'est sympa. Sur les côtés et tout ça, ouais, c'est sympa. Ouais, c'est dolines. En même temps, vous avez vu un peu les chemins, vous pouvez essayer. Ouais. Canyon, ouais, il était un peu glace, mais bon, pas. C'est bien, c'est technique. Voilà, pas de casque. Hein. Non, c'est une pièce, c'est ça. Merci. Bon bah cool, bah y a pas de quoi. Bon après-midi à vous, bonne fin de séjour. Ciao. T'as kiffé? J'ai pas entendu. C'est fou ça de m'embêter là. Tom c'est bon, il a eu 2 heures de cours, maintenant il est sur Clash Royale, il veut plus rien savoir. Là on est sur un repas équilibré, un bon burger végé. Avec des bonnes frites bien grasses. Les tas de sport qu'on a fait. Les gars, maman qui rajoute la mayonnaise. Jamais je fais ça. Lola, papa, il en reviendrait pas. Salade ce soir? Hein? Donc là, on a pris la confiance ce matin avec le mono. Donc là, on va faire que des rouges. On est sur la harakiri là. Mais par contre, c'est trop joli. Il a vraiment la marque typique d'un mec qui a passé une semaine à la neige. Et tu sais, c'est un peu le rouge des clowns. Tu sais, c'est tout blanc et d'un coup, ils ont un grand sourire. Oh, ça me ferait pas plus. Elle a dit sauf que toi, t'as le nez en plus. Ça, c'est pour pas payer la caution, ça. Bah, ouais. C'est pas nous qu'on l'a cassé. En gros, quand on est arrivé, le truc était déjà cassé et on a oublié de le dire aux gens. Enfin, on a oublié de leur signaler que c'était cassé. Du coup, comme on ne veut pas payer la caution, et bah, on a acheté de la colle. On a les deux bricoleuses. Dernière nuit, demain c'est notre dernier jour. On se couche un peu tard et on a dit que demain à 10h on serait sur les pistes. Justement j'ai mis l'hydratant au lieu de la presse solaire. J'ai des coups de soleil Lola. Dernière journée. Je le sens qui bouge. Tu es fatiguée. Mais tu te prépares bien au moins. Une fois t'as qu'il est maintenant. Waouh. Vraiment je m'en lasse pas, c'est magnifique. Bon, on avait dit 10h sur les pistes. Il est 10h15, on va dire, mais on va dire qu'on a réussi quand même. On était à ça d'être à 10h sur les pistes. 10 minutes de retard, j'appelle pas ça du retard. Là on descend du hors-piste. Est-ce que j'ai bien fait de sortir la caméra? Je ne sais pas, sûrement mon gamelé. Mais c'est trop joli. Oui. Je dois filmer comme de la merde là. Regardez qui je reçois.
Bon les gars, on a fini de manger, on s'est séparés avec Jamie et sa pote. On a descendu quelques pistes et là on va aller faire de la luge, donc on va monter sans ski le télésiège. Et ça va être un carnage. La luge, ça va être un carnage. Et voilà, on monte sans ski. Est-ce que tu sens la mauvaise idée? Un petit peu la droite aussi, parce que si on tire que à gauche, on va partir en tête à queue. Et ils n'arrêtent pas de tomber. Mais ça m'a valu un ongle. Oui, enfin si t'as arrêté de foncer dans les gens aussi. J'ai hyper bien réussi ma descente. Oui, tu descendais, mais tu savais pas freiner. Hein. La seule fois où t'as freiné, c'était contre nous, là. Ouais, d'où l'ongle cassé. En fait, je me suis coincé l'ongle entre les deux luges. C'est n'importe quoi. Bah, heureusement que t'avais des bras. D'ailleurs, elle me détruit deux coudes. Oh, t'es un mytho. Oh là, l'abus. Lola qui dit qu'elle a bien réussi les pistes, qu'elle est pas tombée, tout ça. Hein? On en parle de ce casque vert glacé derrière, de ce cul trempé. C'est quand même plus dur que vous. Oui, tu t'es pété un ongle quoi. Et avec ma mère, on s'est dit qu'on allait remonter pour faire une descente. Mais en fait, il y a des nuages. On ne voit plus les reliefs. J'ai l'impression que je skie à l'aveugle. Du coup, on a décidé d'arrêter. Donc on a fini le ski. Et moi, je sens mon cœur qui bat dans mon doigt, qui est en train de doubler de volume. Donc je commence un peu à m'inquiéter. On repose les skis. C'est la fin. Les yeux rouges carrément. Tellement la fatigue. J'allais dire m'a épuisée, mais ça montre bien à quel point je suis fatiguée. C'est même pas cohérent ce que je dis. Aujourd'hui, on mange une marmite. Tom a fait un pour combien et va sauter dans la neige. Faut que tu t'allonges dedans quoi. Oh non. Ah si Tom, on a qu'une vie. Fais un ange. Tu vas te geler. Fais un ange. Il a fait un